Alors Sindibad ouvre de façon progressive et limitée à partir d'aujourd'hui. Le site est prêt, on avait annoncé que l'ouverture en était imminente. L'imminent est aujourd'hui, mais on a fait le choix volontairement de consacrer ces premières journées aux enfants. En réalité, c'est un parc à thème avec trois thématiques différentes. La première thématique, ce sont les attractions. On a un parc d'attractions avec une totalité de 24 attractions. Une des attractions phares est celle qui est derrière moi, le serpent, qui est l'attraction à sensation. Le deuxième espace est donc le parc animalier. On aura au total 35 espèces animales. Pour au total 150 animaux, le lion, deux lions, un tigre blanc, des girafes, des lémuriens, des gibbons. Les animaux sont arrivés aujourd'hui, tout va bien. Alors, les choses se font effectivement progressivement, le lion est sorti, les choses arrivent, il faut aussi qu'il s'habitue aux visiteurs. Le troisième espace qui est l'espace de restauration, avec des espaces, avec des univers différents. Un fast-food, des sandwicheries, un restaurant de service à table. Alors aujourd'hui, on est un total de 350 collaborateurs sur le site. C'est une superficie totale de 32 hectares. Capacité d'accueil, elle est évidemment variable. On peut aller jusqu'à 12 000 personnes sur le site. L'idée, je l'espère, c'est que les visiteurs viennent et que ça devienne non seulement des visiteurs, mais des revisiteurs. Pour tout vous dire, on attend 1,5 million de visiteurs la première année.